Voilà, donc nous sommes dans le dernier kilomètre et Romain Feydoux qui va rentrer sur le couloir sûrement de la Cofidis à le vice-champion du monde espoir et le vainqueur du Paris-Bourges qui va endosser son maillot jaune à l'issue de cette étape, risque de remporter notamment l'étape, c'est incroyable. Alors, essayez de demander à ces gens là. Excusez-moi messieurs, nous sommes pour un jeu télévisé, j'aurais voulu savoir, j'ai trois indices, toxoplasmose, jaune, et le troisième je m'en souviens plus, pain de l'Allègre, on m'a dit d'aller au pain de l'Allègre, ça vous dit quelque chose? Non. Et ce serait sur Saint-Raphaël ou Fréjus? Ah, on ne sait pas, on n'est pas du tout. Bon, merci quand même. Ah, excusez-moi. Alors. Bonjour monsieur, excusez-moi. La route de Bagnoles. Bah écoutez, on en sait un petit peu plus. Merci. Merci beaucoup monsieur, hein. Je suis actuellement dans la voiture du directeur sportif de la ville de Tubel, Denis Leproux. Bonjour Denis. Voilà donc de retour. Mais c'est Romain. Comment ça va Romain? Salut Mich. Ouais ça va. Tu ça la va, sens bien celle-là? Ouais ça ouais. Va. Vous avez déjà des temps de référence. Christophe, il a fait un bon temps et. Il a fait un bon temps. Ça va. Ça va être fort. Tu la sens bien? Devant Mila. Ouais, allez bon bah je vais te laisser y aller. Ouais ouais tout à fait. Là en fait je crois qu'on est sur une bonne piste. Donc là il y a quelqu'un qui s'est gentiment proposé de nous emmener donc dans le centre-ville de Fréjus je crois. Fréjus c'est ça? Fréjus, voilà, donc dans le centre-ville de Fréjus où peut-être il y aura un indice sur la personne donc que je recherche, semble-t-il ce serait une personne. Donc toujours toxoplasmose et jaune, j'en sais pas plus, mais la personne pourrait peut-être m'indiquer justement quelle est cette personne. Donc ce serait génial, donc là on va sur Fréjus, c'est ça, dans une brasserie, c'est ça? Tout à fait, oui Pascal, je le connais bien, c'est le patron là, du bar où je mange toujours ma petite formule, là, mon petit steak tartare, dépêche midi. Avec mon petit café gourmand derrière. D'accord, ok, bon bah, donc, et c'est. On est encore loin? Écoutez, là, visiblement, non, pas trop, bon. Je pense que dans 2-3 minutes, là, je vais tenter de faire au plus vite, hein. Ok, merci, bon bah, je vous tiens au courant tout de suite, normalement, ça devrait être bon, on va essayer de trouver, je veux gagner, hein. Oui, Thierry, je suis actuellement dans la voiture du directeur sportif de la Ville Tubel, Denis Leproux. Premier contre-la-montre du Tour de France et un Français, leader du classement général, Romain Feydoux. Il va s'élancer dans quelques instants. Il a remporté, il a pris hier le maillot jaune. D'accord, tu me le gardes. Il est en troisième étape et il va s'élancer dans quelques instants. Allez. Allez petit, hein. Tu me le gardes. Hein. Allez, c'est parti. Allez, on va. Le départ est lancé. Allez. Romain de allez. 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 Nous sommes à 300 mètres de l'arrivée et le coureur de Tubel vient de lancer son sprint. On voit l'image charnelle du moulin qui contrôle la largeur. Ah, le coureur de Tubel semble le mieux armé en tout cas. Il endossera le maillot jaune à l'issue de cette étape. C'est extraordinaire ce qu'il est en train de faire. Voilà Romain Feydoux, le vice-champion du monde espoir, va rentrer dans l'histoire et dans la légende du Tour de France en endossant le maillot jaune ce soir. En tout cas, on n'aura pas le maillot ce soir, ça c'est sûr. Allez Romain, c'est bien! Le maillot ce soir, Romain! Allez Romain, allez! Le maillot, Romain, ce soir! Le maillot! Bon Romain, aujourd'hui ça a été difficile, comment s'est passée ta course? Oh ça a été, il y avait Nicolas devant donc... Du scooter devant, il pédalait dans la semoule. Mais t'avais un très très bon directeur sportif aussi non? C'était Denis Leproux qui faisait le directeur sportif, j'aime mieux quand c'est Nicolas Lotte, ça pousse plus. Nicolas Lotte, Jalabert, rêve aussi de faire un duo avec Daniel Mangias, le speaker officiel. Tous ces coureurs quoi, hein, vraiment, non, vraiment une équipe soudée, ça serait beau. Allez, mais putain!
Alors là, on arrive sur la brasserie du palais, je crois. Voilà, c'est là, le monsieur donc, m'a indiqué que c'était la brasserie du palais. J'arrive, on va essayer de demander aux personnes. Excusez-moi, je recherche le responsable de la brasserie. Il pourrait m'indiquer peut-être... Donc j'ai deux indices, toxoplasmose et jaune. Toxoplasmose et jaune et domaine du pain de la Lègue. Peut-être, je peux passer derrière le bar. Allez-y. Voilà, donc j'aurais voulu savoir si ça vous dit quelque chose. Romain, j'ai peut-être une piste. Romain, alors, vous pouvez m'en dire peut-être un peu plus. Jaune, maillot jaune. Ça vous dit quelque chose de... Jaune, j'ai un indice, oui, c'est ça, jaune. Et j'ai toxoplasmose aussi. Alors ça, je ne sais pas ce que ça vient faire là. C'est une maladie. Une maladie, d'accord. Qui c'est qui a été malade? Ça vous dit quelque chose? Jaune, toxo... Mais oui, ça y est, tout concorde. Ok, alors maintenant, j'ai pain de la Lègue. Est-ce que vous pouvez m'indiquer où est-ce que le pain de la Lègue? Tout au bout, là. Vous continuez, tour de mare. Vous montez la tour de mare et c'est là. Ok, très bien, merci. J'y vais tout de suite. Donc je fonce et j'y vais. C'est tout droit, hein. Toujours tout droit. Bravo, bravo. C'est bien. C'est bien. On verra ça plus tard les temps, hein, parce que là. Oui, Thierry. Excusez-moi. Allez. J'étais un peu assoupi dans la voiture. Ça va, Denis? Comment? Ça va, Denis? Ouais, ça va bien. Comment est Romain, là? Bah là, il... Bon, bah, c'est... Le maillot, c'était pas l'objectif. On savait qu'on avait des costauds. On a essayé de limiter les dégâts. Voilà. En tout cas, je te remercie, hein. Merci, ça fait beaucoup de merci, en tout cas d'avoir invité un triathlète dans le monde du vélo. C'est un petit peu Romain Fillu qui a initié cette collaboration triathlon-cyclisme et je pense que c'est fait pour durer. Bon, en tout cas, merci. En tout cas, c'est une belle image de sport, triathlon et cyclisme, comme quoi tout est possible. Alors bah, essaie de le finir au moins. Samuel Dumoulin, toujours en première position, qui semble-t-il va venir remporter cette étape. Mais nous allons accueillir tout à l'heure sur le podium le maillot jaune de Romain Fillu. Ça y est, c'est fait, il endossera le maillot jaune. Pense à ma bête. Hein? Oui, Thierry, tu me regardes. Entendez. Voilà donc de retour sur ce Tour de France, puisque Romain Fillu, là on est en train de le suivre. Mais bon, je vais pas vous le montrer parce que c'est pas très très beau à voir en tout cas. Il semble qu'il ait trouvé sa reconversion, puisqu'il a l'allure d'un postier, comme on dit dans le jargon cycliste. Il semble un peu collé à la route, comme on dit aussi dans le jargon cycliste. En tout cas, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. En attendant, le petit Fillu aura fait quelque chose d'assez grand sur son Tour de France, puisqu'il aura tout de même porté la tunique, à l'instar de beaucoup de Français. Bravo Romain. Enfin, je vais pas vous le montrer, non, je préfère pas. Hein. On est sur une chaîne publique et ça pourrait heurter la sensibilité des téléspectateurs et des jeunes cyclistes. Etc. Au sol, etc.
Nous allons y aller.